Donc, bonjour, plus efficace que des mots, je vais tout de suite vous emmener dans un univers de couleurs qui va vous permettre de comprendre ce que je fais là. Voilà, moi je me suis reconvertie fleuriste il y a peu et en fait l'idée était de pouvoir choisir les fleurs que je faisais pousser et surtout de les faire pousser avec beaucoup de naturel et voilà la beauté d'un bouquet en vrai. J'avais besoin aussi de pouvoir contribuer à prendre soin de la terre et du sol qui fait pousser ces fleurs. Et qu'aujourd'hui, pour moi, il était impensable de pouvoir couper des fleurs et de mettre en bouquet, quoi, en tout cas d'acheter des fleurs, on va dire, qui avaient fait des milliers de kilomètres et qui avaient un impact. Voilà. Donc j'avais besoin à la fois contribuer à quelque chose de plus, on va dire, respectueux. Alors je l'ai fait un peu par surprise ce métier, j'allais plutôt moi explorer la filière parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Étant une agricultrice en ville, j'avais besoin de comprendre en fait tout un cycle et d'aller voir jusqu'à la transformation en bouquet, d'apprendre la technique. Donc j'ai fait l'école des fleuristes, voilà, c'était un temps pour moi de pause et en même temps de révélation aussi. Parce que ça m'a permis vraiment de pouvoir, à la fin de l'école des fleuristes, ce projet est né en fait. Et j'ai répondu à l'appel à projet de ce fabuleux terrain juste un mois après avoir fini la formation. Trouver les bouquets au kiosque 12 Place de la République à Paris. Et je récolte mes fleurs le jeudi et je les propose dès le jeudi soir au kiosque. Donc c'est fraîcheur plus plus plus.